Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture spécial Rebirth encore une fois. Dans un premier temps, nous parlerons de Aquaman tome 1, Rebirth, forcément. Batman Rebirth tome 3, très beau, hein. Flash Rebirth tome 2, Green Arrow tome 1, All-Star Batman tome 2, et pour finir, Green Lantern Rebirth tome 1. Je n'ai pas lu les New 52 de Aquaman, j'ai lu que le premier tome, mais je compte me rattraper parce qu'il y a l'intégrale qui va sortir, et qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Mais du coup, je me suis lancé quand même dans ce Aquaman Rebirth, car il m'avait l'air vraiment sympa, surtout après le début en fait qui était dans le récit complet de Justice League. Et il faut le savoir que tout ce récit complet, en fait, c'est en gros la moitié du premier tome d'Aquaman Rebirth. Alors ça m'a un peu embêté, parce que on a l'impression de racheter encore une fois ce qui est sorti, mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. L'histoire, en gros, c'est Aquaman, qui est donc roi des Atlantes, et qui veut, plus que tout, rassembler les humains avec les Atlantes, la Terre et l'Atlantide, pour de meilleures relations, parce que lui-même est forcément à moitié humain et à moitié Atlante. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je l'ai trouvé déjà très beau au niveau des dessins. L'histoire est franchement intéressante, on sent vraiment qu'il a une très grande volonté de vouloir rassembler ses peuples. J'en ai pas grand chose à dire, surtout par rapport au lien à la suite par rapport à New 52, parce que comme je vous l'ai dit, bah, je les ai pas encore lus. Mais, comme d'habitude, le début du livre fait par Urban Comics nous raconte ce qui s'est passé avant, et ça nous permet d'avoir une vague idée, une idée assez large de ce qui a pu se passer avant, et au final, on ne se sent pas forcément perdu. Je trouve le personnage de Black Manta vraiment très intéressant et bien mené. On sent qu'il a une haine profonde, vraiment, pour Aquaman. On sait pourquoi, hein, mais même si je trouve que c'est pas forcément très justifié, mais bon, ça ce sera toujours le cas, surtout dans les comics, et la volonté d'être méchant pour être méchant de temps en temps. Mais non, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. La relation entre Arthur et Mera est aussi, elle, très intéressante. On sent avec la trahison de Mera entre leur enfant qui a été tué par justement Black Manta. On sent vraiment qu'il y a une grosse histoire, c'est très bien mené, et franchement j'attends la suite avec impatience, voir où tout cela va nous mener. Parlons maintenant de Batman Rebirth tome 3. Alors je trouve que depuis le début, cette saga est vraiment excellente. Donc là on est sur la fin d'une trilogie, comme on le voit souvent et régulièrement dans les comics, ça fonctionne par trilogie. Là on a les Mon Nom Est, donc là le troisième c'est Mon Nom Est Bane. Et on va avoir droit après à une autre trilogie, donc là on est quelque part sur la fin d'un cycle. Dans les événements précédents, Batman a enlevé le psychopirate à Bane afin de soigner Gotham Girl, et donc le Chevalier Noir se retrouve attaqué par Bane qui veut lui récupérer ce psychopirate, car c'est un personnage qui lui permettait de s'apaiser, il me semble, car il est en descente de drogue de son venin qu'utilise Bane. Alors j'ai trouvé ce tome absolument génial, franchement jusqu'à présent, cette trilogie, pour moi c'est un sans faute, mais vraiment, on est sur un super super Batman, une histoire très intéressante et très très bien menée, les personnages sont extrêmement intéressants, tout comme Bane qui est vraiment, c'est un monstre, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'un des plus gros méchants de Batman, il est très intelligent, il est très fort, il a les ressources suffisantes pour le faire, c'est vraiment incroyable. Et on a le parallèle toujours avec Selina Kyle, avec l'histoire d'amour entre Batman et Catwoman, qui est vraiment excellente. Et puis franchement, c'est écrit d'une manière, avec des scènes absolument mais magnifiques. Je vous le conseille, mais vraiment à 100% si vous aimez Batman, les Batman Rebirth sont faits pour vous. Les dessins sont absolument magnifiques. Franchement, on est sur des dessins qui rendent hommage aux justiciers masqués. Et franchement, ça fait super plaisir, parce que souvent, dans les comics, personnellement, c'est souvent qu'il y a une très bonne histoire et des dessins qui sont pas mal avec, ou des très beaux dessins avec une histoire qui est pas fameuse fameuse. Là on est vraiment sur un ensemble magnifique, tout est très très bien mené, c'est génial, voilà, je vais m'arrêter là, mais allez-y, foncez, c'est l'histoire qu'il vous faut et qu'il nous fallait. Je me souviens qu'on entend des mouches péter avec ce portable. Donc attention. Passons à Flash Rebirth tome 2.
Alors revenons vite fait sur le tome 1, juste au niveau du ressenti. Donc l'histoire était pas mal, mais c'était un tome qui était, j'ai envie de dire, très oubliable. Et le problème, c'est que le tome 2, bah, il est sympa. Franchement, l'histoire est sympa, mais il est vraiment oubliable. Alors pour remettre dans le contexte, Wally West est donc devenu Kid Flash. Et donc Flash s'est donné comme mission, quelque part, de lui enseigner ce qu'il connaît et de l'entraîner pour devenir un nouveau Flash. Cependant, je trouve que c'est pas forcément très intéressant à lire. La façon dont c'est mené n'est pas très intéressante. En fait, l'histoire, personnellement, j'arrive pas à me sentir impliqué, à vraiment suivre le héros, à être à 100% avec lui. Alors, peut-être que c'est parce qu'on suit en même temps Kid Flash et que du coup on a des transitions, on change de personnage, du coup on n'est pas tout le temps avec Barry et on est souvent avec Wally. Mais je trouve vraiment que là, je sais pas, ça. C'est pas très intéressant en soi, l'histoire, même le méchant avec les ombres, ça pourrait être quelque chose de vraiment complètement badass. C'est un personnage que je n'ai jamais vu d'ailleurs dans les comics. C'est peut-être un vieil ennemi de Flash, je ne le connais pas. Mais là, ouais, ok, mais c'est tout. Je trouve que ça fait pas vraiment avancer les choses. Et c'est dommage parce que Flash est donc un des personnages que j'aime le plus après Batman. Et on a vraiment eu des histoires de malades avec Flash. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou. Et là, pour un reboot d'univers en plus, enfin pas vraiment un reboot, mais avec le Rebirth qui vient d'arriver, je trouve qu'il faudrait qu'ils cartonnent. Là, il faudrait vraiment qu'ils envoient du pâté, qu'ils mettent une histoire lourde derrière, même si on a le parallèle avec le Wally West du coup d'avant les Rebirths, d'avant les New 52, le pré-Flashpoint. Et qu'en plus, on ait toute l'histoire avec The Button, qui n'est pas encore arrivé pour nous en France, mais voilà, il y a vraiment des histoires très intéressantes à faire avec lui. Et là, actuellement, je trouve que le potentiel, il n'y en a pas du tout, quoi. Du coup, je trouve ça vraiment dommage. Donc, le Flash Rebirth tome 2 est bien, tout comme le 1, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Et c'est dommage. Passons maintenant à Green Arrow Rebirth. Alors tout comme Aquaman, je n'ai pas lu les New 52 et je ne les lirai pas par contre, car si je les ai pas pris jusqu'à présent, c'est juste parce qu'ils m'intéressent pas. Ils n'ont pas l'air nuls ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que je suis assez de séries comme ça pour en plus me rajouter d'autres sagas si elles ne m'attirent pas à 100% quoi. Mais du coup je me suis trouvé très intrigué par cette saga, par les Rebirths. Je me suis dit que c'est une bonne occasion du coup de franchir le pas et de tester Green Arrow, voir ce que ça donne en comics. Et je n'ai pas été déçu, en effet c'est l'un de mes coups de cœur, franchement Rebirth. Je redécouvre le héros avec ses comics, donc j'ai vite fait regarder la série, les 3 premières saisons, 4, mais ça m'a vite gonflé. Tout comme un peu toutes les séries CW, je les trouve pas foufou, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Au niveau de l'histoire, là on sent et on sait qu'il y a une volonté de tous les scénaristes en général et de tout Rebirth de vouloir ramener tous les héros qu'il y avait avant les New 52 avec le pré-Flashpoint. Et là ils en profitent pour donc ramener la Black Canary, car c'est l'un des couples mythiques du DC Universe, le couple Black Canary avec Green Arrow. Et là, on sent vraiment la volonté de vouloir les rassembler, et je trouve que c'est bien fait, ça vient pas juste comme ça pour dire « Allez, on les rassemble, parce que bon, il faut bien les gars, hein, nous a demandé de le faire, on le fait ». Non, franchement, il y a vraiment un aspect scénaristique intéressant à la ramener, et je trouve que l'alchimie entre les deux fonctionne très bien. L'histoire, quant à elle, est plutôt intéressante. C'est bizarre de dire ça, mais je connais pas trop l'univers Green Arrow. On pourrait dire, quand on connaît bien l'univers DC Comics, on connaît un peu tout le monde, mais Green Arrow, jusqu'à présent, du coup, vu qu'il a presque pas été utilisé dans les New 52, c'est un personnage que je connais pas forcément très bien au final. Et je suis quand même super content qu'il le réintègre, et j'aimerais bien que par la suite, il le réintègre à tout ce qui est Justice League, etc. Parce que ce que j'avais eu dans un petit kiosque, justement, une aventure où il y avait Green Arrow, Green Lantern et Flash, et je trouvais que le trio était vraiment excellent, et ce serait génial qu'il le ramène. Donc voilà, tout pour dire que Green Arrow Rebirth, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé ça excellent. Donc il va falloir que je me procure le tome 2 qui est sorti, et j'espère que ça va continuer dans cette lancée, parce qu'il en faut des séries comme ça, il en faut. Continuons avec All-Star Batman tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1 de All-Star Batman, malgré le fait que beaucoup de gens apparemment n'aient pas très apprécié le style. Et je peux comprendre, c'est vraiment un tome qui était très à part, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau des dessins. Je comprends qu'on puisse pas aimer, mais même si personnellement je trouve que c'était juste absolument génial de A à Z ce tome, c'était
génial. Mais le tome 2, c'est pas fou. Franchement, tout n'est pas à jeter. Franchement, la façon dont est racontée l'histoire du point de vue de Bruce, comme une histoire contée, comme une histoire qu'il nous raconte, je trouve que le principe est très intéressant. Mais il est, je trouve pas qu'il est bien utilisé et il arrive comme un cheveu sur la soupe. Enfin, le premier tome aurait été comme ça, je dis pas, ça aurait été entre guillemets normal. Le premier tome l'intègre, le deuxième tome continue dans la lancée, pourquoi pas quoi. Mais là, je trouve que c'est vraiment très déroutant, mais trop, trop déroutant en fait. Ça arrive comme ça d'un seul coup après le tome 1. Mais là, je sais pas, ça fait un peu effet pétard mouillé, je trouve. Et l'histoire, elle est sympa, mais ça va trop, c'est trop. Là, je trouve que l'histoire, c'est beaucoup trop. Pour au final finir sur juste, c'est lui, quoi. J'essaie de pas spoiler, mais non, je sais pas, j'ai pas trop. Ça m'a déçu, j'ai trouvé ce tome assez décevant. Les dessins, on peut en parler, ça change tout le temps. Les dessinateurs changent à chaque étape en fait que traverse Batman dans le tome 2, les dessinateurs changent, et pas forcément pour le meilleur. Après ça, c'est vraiment. C'est les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Je trouve qu'ils sont vraiment pas fameux, et du coup, ça aide pas du tout avec la nouvelle façon de raconter l'histoire. Je trouve que les couleurs vont pas forcément ensemble, entre la couleur des cases avec la couleur qui est dans les dessins. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas, en fait, dans ce tome. Il y a un feeling qui est pas, et ça, j'ai l'impression que ça se ressent. Je sais pas s'ils étaient vraiment à fond dedans, mais je sais pas, il y a un problème avec ce tome, et je suis complètement déçu après ce premier tome qui m'avait tellement hypé sur la saga All-Star Batman. Ah, j'espère que le tome 3, il va falloir qu'il soit là, quoi. Et désolé. Finissons avec Green Lantern Rebirth tome 1. Alors, le problème que j'ai actuellement avec Green Lantern, c'est que j'ai pas du tout fini les New 52. Je suis en train de lire les intégrales qui sortent, et du coup, bah, je suis pas encore arrivé jusqu'au Rebirth. Forcément, si je ne comprends pas tout, c'est de ma faute. Mais voilà, je pouvais pas attendre, j'avais envie de lire le Green Lantern Rebirth et voir ce que ça donne. Donc je me suis lancé. Et bah c'était franchement excellent, un premier tome génial. Alors on se retrouve après que le corps des Green Lanternes ait disparu et que Hal Jordan revient dans le corps des Green Lanternes et qu'il reforge un anneau lui-même. Enfin, j'ai trouvé cette première partie complètement badass. Quand il a le gant de lanterne, je trouvais ça magnifique. Franchement, ce premier chapitre, bravo. Non, franchement, j'ai envie de dire, tout est beau, les images sont magnifiques, moi j'en veux plus du comme ça. J'aime beaucoup ce genre de choses. Allez-y, faites-vous plaisir. Pour l'histoire, je me suis trouvé forcément complètement perdu. Je suis arrivé dans ce tome, j'étais là, ok, il s'est passé ça. Ok, d'accord, ben pourquoi pas. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment excellent. Alors, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que bah, du coup, j'ai pas tout compris. Forcément, mais je sais pas, je trouve qu'il signe un retour en force quand même des Rebirths parce que jusqu'à présent tous les Rebirths n'ont pas été très très bons. Du moins, je trouve que pour un premier tome qui amène sur une toute nouvelle ère, ils vont pas assez franco. Alors peut-être qu'ils attendent un peu que ce soit tout vraiment installé pour vraiment lancer les histoires. Pour qu'on soit sur des trucs complètement titanesques, complètement badass, des histoires comme on peut en voir bah, par exemple dans les Green Lanterns de Geoff Jones, qui je trouve sont vraiment excellents. Mais voilà, comme on dit, wait and see, on n'est quand même que sur les premiers tomes, donc avant de se faire un avis vraiment sur une saga, il faut attendre quand même qu'il y ait plusieurs tomes qui soient sortis. Et pour voir vraiment où cela nous mène. Parce que jusqu'à présent, plusieurs sagas comme Green Lantern, Flash où il n'y a que deux tomes, ce genre de choses, on ne sait pas trop encore ce qui va vraiment se passer dans toute la saga, avec quel est l'arc vraiment principal. Donc voilà, franchement, je dirais quand même assez confiant avec les Rebirths, mais c'est vrai que j'ai beaucoup
de retour moyen sur l'ensemble du Rebirth qui est sorti là jusqu'à présent aux États-Unis. Beaucoup trouvent que c'est loin d'être aussi bon que les New 52, mais je préfère attendre de faire mon propre avis. Hein. Comme toujours, il faut se faire son propre avis sur les choses, surtout sur les choses que vous aimez. Mais quand même, ça me fait un peu peur, quoi. Sur l'avenir, vous voyez. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture Rebirth. Il y a un deuxième qui va venir pour finir de compléter toutes les sagas en cours de Rebirth. Si vous avez lu cet Oui. homme-là ou que juste vous voulez en parler, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.